prier, garder votre vie. L'ennemi est sur le point de vous engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia, que Dieu vous bénisse mes chers frères et mes sœurs à travers le monde qui me regardent. Cette fois, aujourd'hui, nous allons parler de notre rêve. Cette fois, c'est quand tu fais un rêve qui vous êtes poursuivi dans votre rêve. Et cette fois, vous dormez, vous rêvez qu'on vous poursuive dans votre rêve. Et vous courez, et vous priez dans votre rêve pour que tu puisses réveiller. Et quand tu te réveilles, tu t'es tellement content que je suis sorti de ce rêve. Ah Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ah, on me poursuivait. Et chaque fois que tu dormais, soit pendant la nuit ou bien pendant la journée, tu fais un rêve qu'on vous poursuit dans vos rêves. Qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce que ça veut signifier? Et j'ai mis des traditions ici. Le sens de cette rêve, le significat de ce genre de rêve et des prières que vous devez faire pour pouvoir vaincre des gens qui vous poursuivent dans votre rêve. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi profiter de ce moment pour vous dire que mes livres sont disponibles en bas de cette vidéo. Si vous voulez avoir des livres, mes livres sur la délivrance sont disponibles. Comme cela, vous pouvez cliquer et acheter votre propre copie. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore abonné, peut-être c'est votre première fois de croiser mon vidéo. Il y a d'autres messages qui seront à votre avantage, qui vont venir. Il faut juste cliquer sur l'abonné ou bien subscribe qui est écrit là-bas en anglais. Comme cela, chaque fois qu'il y a des vidéos qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Maintenant, nous passons directement à la tradition des rêves qui, quand vous êtes poursuivi dans votre rêve, qui signifie les rêves qui ont vous poursuivi dans votre rêve. Le premier, c'est une bataille contre votre âme. Une bataille satanique, il y a une guerre contre votre âme. Il y a une guerre contre votre âme. Vous voyez un rêve, on vous poursuit, il y a une guerre contre votre âme. Soit le diable voulait vous détruire, il y a une guerre contre votre âme. Le deuxième, c'est il y a une lutte contre votre destin. Quand vous poursuivez dans votre rêve et que vous courez, vous ne pouvez pas avoir le temps de se consacrer sur votre vie spirituelle, sur votre vie physique, sur l'avancement de votre destin. Quand vous poursuivez, votre vie n'a pas la paix. C'est pour cela que vous devez vous préparer pour prier comme cela. C'est une lutte contre votre destin. Parce que quand votre destin, on vous poursuit dans votre rêve, vous ne pouvez pas s'asseoir confortablement physiquement dans le monde physique pour accomplir de grandes choses. Vous ne pouvez pas s'asseoir confortablement dans le monde physique pour accomplir de grandes choses. C'est une lutte, une bataille contre votre destin. C'est une bataille contre votre âme. Le troisième, c'est une activité de l'exécuteur des malédictions générationnelles. Les démons qui exécutaient des malédictions qui est sous votre arrière pendant, c'est eux qui intentent de vous poursuivre dans votre rêve. Le quatrième, c'est l'activité de l'exécuteur de la malédiction ancestrale. Peut-être il y a des malédictions qui est sous votre arrière-parent. Peut-être votre arrière-parent ils ont marié 4 concubines, 20 concubines partout là-bas, et vous commencez à manifester les mêmes habitudes. Quand vous faites un rêve, vous allez faire un rêve quand vous poursuivez dans votre rêve. C'est les démons là qui vous poursuivent, qui vous influencent à faire des choses et pour pouvoir exécuter les malédictions ancestrales sur votre vie. Le dernier, qui est le cinquième, c'est une activité des chasseurs de destin. Une activité des chasseurs de destin. Des chasseurs de destin. C'est vrai que vous avez un grand destiné. Vous avez un grand avenir. Mais les gens ne voulaient pas que vous arriviez. Chaque nuit, chaque fois, vous voyez, on vous poursuivait. C'est écrit parce qu'on ne voulait pas vous donner la paix ni le temps pour pouvoir accomplir les buts de Dieu pour votre vie. Et quand tu fais ce genre de rêve, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez se lever et faire cette prière que j'ai mis ici. Alléluia. Tout pouvoir chargé de gaspiller ma vie périt au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir chargé de gaspiller ma vie périt au nom de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prier. Toute alliance qui m'apporte des problèmes dans ma vie, brisée au nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui m'a porté des problèmes dans ma vie, périt au nom de Jésus-Christ. Le troisième sujet de prier. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer l'œuvre du Seigneur dans les terres, dans le pays des vivants, au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai pour déclarer l'œuvre du Seigneur dans le pays des vivants
au nom puissant de Jésus-Christ. Et le dernier sujet de prier, c'est pouvoir chargé de me tuer, mais au nom de Jésus-Christ. Pouvoir chargé de me tuer, mais au nom de Jésus-Christ. Pouvoir chargé de me tuer, mais au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà les traductions de cette rêve. Quand tu vois ce que vous cherchez dans votre rêve et que vous poursuivez, que vous poursuivez, que vous poursuivez et vous vous sortez de cette rêve sans pouvoir faire quelque chose. Et ceci s'est reproduit tout le temps. C'est une bataille contre votre âme. C'est une bataille contre votre destin. C'est une activité des exécuteurs de malédictions générationnelles. C'est une activité des exécuteurs de malédictions ancestrales. C'est une activité des chasseurs de destin. Tout chasseur de destin qui a été désigné pour détruire votre vie, je l'ai paralysé au nom de Jésus-Christ. 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 Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas de cliquer sur abonner. Comme cela, s'il y a d'autres vidéos qui viennent, il y aura beaucoup de vidéos, surtout sur l'aspect de délivrance et de rêve aussi, de mariage qui seront disponibles. Il faut cliquer sur abonner. Comme cela, vous pouvez aussi s'en profiter de nouvelles vidéos qui viendront. Vous êtes libre de partager cette vidéo avec tes amis et avec tes frères sur le réseau social. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et si vous voulez aussi encore le livre sur les délivrances, j'ai mis des links en bas de cette vidéo. Vous pouvez avoir accès à tous mes livres en ligne. Que Dieu vous garde et que Dieu aussi vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.